Bonsoir Mathéo, quel sentiment domine à la fin de cette rencontre? La frustration ou la fierté d'avoir tenu tête au leader du championnat? Non, je pense que dans l'ensemble on a fait un bon match quand même. On a eu pas mal de situations pour marquer quand même. Je pense notamment en deuxième mi-temps, on a eu des situations pour marquer, on n'a pas réussi à le faire. C'est un point de prix, on voulait prendre les 3 points, je pense qu'on méritait de prendre les 3 points aujourd'hui, on a été au-dessus d'eux. Après voilà, on a manqué un peu de réalisme, mais en tout cas c'est de bon augure pour la suite du championnat pour nous. Il y a eu beaucoup de circonstances favorables pour l'OM, notamment l'expansion. Il y a eu beaucoup de circonstances favorables pour l'Olympique. Beaucoup de circonstances favorables pour l'Olympique de Marseille, notamment l'expulsion d'Hakimi. Oh, je pense qu'il y a carton rouge, clairement. On voit clairement Under qui va en face à face avec le gardien où il y a Hakimi qui l'attrape. Donc je pense que s'il ne l'attrape pas, Under il va au but et il y a un but sûrement. Donc non, il n'y a pas eu de fin. C'est pas, les arbitres n'ont pas été favorables avec nous ou pas. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils ont pris les bonnes décisions et voilà, aujourd'hui on sort avec un point. Un point, ça vous suffit ce soir? Non, un point ça ne nous suffit pas, on veut toujours viser le plus haut possible. Voilà, comme j'ai dit, on méritait de prendre les 3 points, je pense, aujourd'hui. On a eu des situations, ils n'en ont pas eu beaucoup. Et on voulait 3 points, on n'a pas réussi à les avoir, on a pris un point. Mais en tout cas, c'est de bonne augure pour la suite du championnat, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir Marquinhos, vous sortez comment de ce match nul ici au Vélodrome? Après, pour les circonstances, je pense qu'on est venu ici pour gagner, pour chercher les 3 points. En fin de match, avec un des moins, ça a été plus difficile à chercher cette victoire. Je pense qu'on a eu des occasions en première mi-temps. On a réussi à tenir le ballon avec la possession. On a eu quelques bons moments dans le match. On n'a pas réussi à tuer, on a réussi à ne pas prendre de but, c'était important aussi. En fin de match, avec un des moins, le match était plus équilibré. Et nous, on a laissé un peu le ballon, on a essayé de contrer. C'était ça. Vous avez montré aussi une bonne solidarité à 10 contre 11. Ça, c'est un petit peu nouveau du côté du Paris Saint-Germain. Ça doit ravir le capitaine que vous êtes. Ouais, c'est le point positif en fin de match. C'est difficile quand t'as un joueur de moins. Et pour continuer avec la même stratégie, être plus agressif, il faut respecter et savoir qui t'as un de moins, être plus solidaire. On a vu tout le monde se donner à fond pour bien défendre et maintenir ce score à 0 pour l'équipe adverse. On a essayé de chercher le but, mais c'était difficile. Merci.